Projet K11, épisode 1. Le but de ce projet, c'est de prendre la voiture et de l'amener à 250 chevaux. Donc pour ça, on va passer par des étapes. Et là, l'étape que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo, c'est l'installation de ça. Je sais pas si tu vas réussir à lire. Et l'installation de manos et de sondes pour pouvoir faire la riprog. Du coup, tout de suite, on commence les hostilités. Je te retrouve maintenant. Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va installer la sonde lambda. Donc pour faire ça, il faut que je perce un trou dans le collecteur. Donc il faut que je le démonte avant, forcément. Donc du coup, on se retrouve tout de suite. Donc, comme tu peux le voir, il y a des vis juste ici. Il y a toutes ces vis-là et les vis d'en dessous à enlever. Plus, du coup, celle-là de vis. On va voir si ça s'enlève bien. J'espère que ça va bien s'enlever. De souvenir, ouais, c'est du 12, les vis. Ouais, c'est ça. Donc, tac. Hop, on va passer par en dessous. Nickel. J'ai vu qu'il y avait des rondelles. Sais pas si elles sont importantes. J'en sais rien, à vrai dire. Comme je m'en doutais, ça n'a pas bougé d'un poil. Par contre, lui, il a bougé. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Cependant, qu'est-ce que je fais du coup? Du coup, comme tu peux le voir, j'ai dû couper à la disqueuse. Ouais, à la base, j'étais juste censé être allé chercher une clé de 17, mais c'est parti en couille. Et du coup, j'ai enfin déposé le collecteur. Il est juste là, avec le cata. Mais du coup, je vais avoir genre toutes ces vis là. On voit pas. Toutes les vis qui se trouvent ici à changer. Ainsi que toutes les, enfin, les deux vis qui vont là. Tout simplement parce qu'en fait, en fait, à la base, je devais enlever juste le cata, mais les vis ont foiré, elles sont mortes, et il y en a une qui est vissée par en dessous. C'est la première fois que je vois ça, mais voilà. Et aussi, du coup, bah, j'ai dû couper les deux vis de cata parce qu'elles étaient soudées dans le collecteur, littéralement. Comme tu peux le voir, il y a vraiment rien, genre c'est soudé, on peut pas le bouger. Aussi, j'étais super heureux. J'ai découvert que du coup, au niveau des soupapes, rien n'est propre. C'est-à-dire que là, je sais pas si tu vois, mais ça va. Là, c'est blanc. Là, c'est ultra gras. Donc je pense qu'il y a une bonne segmentation et là c'est blanc, donc je suis vraiment ravi de ça. Donc, là ouais, on a les vis à racheter, la vidange à faire forcément, puisque du coup le gars m'avait dit qu'elle était à refaire, et démonter quoi. C'est soit ça, soit je lui mets un bar 5 de boost et je vois jusqu'où ça me mène. Et au pire des cas, le jour où le moteur pète, bah j'en achète un. Bon. Du coup, là, je te retrouve tout de suite quand je vais percer le bloc pour souder la bride pour la sonde lambda wideband. Donc, on est le lendemain, du surlendemain, du surlendemain. Et comme tu as vu, le collecteur est démonté. Du coup, là, le but, ça va être de le percer pour y installer ma bride. Mais pour ça, du coup, il faut que je fasse un pré-trou et après un trou en 22. Donc voilà. Sachant que c'est de la fonte, je pense que ça va pas du tout être une partie de plaisir. Là, la question, par contre, juste, c'est où est. Ah, elle est là. Je suis con.
J'espère que, encore une fois, tu vois bien. Parce que, bah, j'ai pas de retour. C'est comme une GoPro, quoi. Sauf que là, c'est une GoPro, mais avec un gimbal. C'est bien, mais en first person view, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis très con. Pas droit là. Pourquoi il est pas droit? Bah alors. Why are you not droit? Ok, ça va. Je vais pas me prendre une giclée dans la gueule. Voilà. J'ai pas d'huile de coupe, donc tu vas pas commencer à me casser les couilles. Si tu me critiques pour l'huile de coupe, bah t'as qu'à m'en acheter. Le truc avec la fonte, je crois, c'est qu'il faut aller lentement. Parce que sinon ça casse. Ouais, ça a l'air de le faire. Bon, du coup, comme tu peux le voir, le trou est percé. Et du coup, maintenant, je vais passer au gros forêt là, de 22. J'espère juste que j'aurai pas de problème. Ouais, on verra bien. Hein. Je ne sais point ce que ça va donner. On va voir comme ça. Hein. Tac. Un petit coup. Et c'est reparti, mais là, cette fois-ci, avec le plus gros. J'ai très très peur. Hein. Ça a l'air de creuser, c'est cool. Bon, je vais percer. J'ai la GoPro qui fait que s'enlever, c'est pour ça, du coup, que ça me fait chier. Du coup, je te retrouve juste après. Et si tout s'est bien passé, normalement, il y a un trou juste là. Bon, du coup, comme tu peux l'observer, le trou est fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer cette zone avec du coup du papier abrasif. Et c'est pour préparer, du coup, pour souder. J'ai regardé, la bride se met bien, hein, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, ça ira. J'ai aussi placé le truc. Tu vois absolument rien, mais je l'ai placé sur son emplacement de base. Et ça a l'air du coup de se foutre sans problème. Seul truc que j'ai qui m'embête un peu, c'est le support d'alternateur. J'espère qu'il viendra pas gêner. Bon, du coup, comme tu peux le voir, la sonde est soudée. Les soudures sont absolument dégueulasses pour le coup, mais bon, c'est pas trop grave. Par contre, j'ai enfin réussi à enlever les vis. Bon, tu le vois pas, mais j'ai réussi à enlever les vis qui étaient grippées depuis 30 ans dedans. Donc, du coup, là, j'ai enfin de quoi pouvoir remonter le truc. Donc, je vais remonter le collecteur. La ligne, bah, du coup, ça sera plus tard parce que j'ai pas les vis, vu que j'ai dû les couper. Je remonte l'alternateur aussi. Maintenant, on va installer la gestion. Enfin, c'est pas une gestion, du coup, c'est un écu piggyback, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en gros, comme le dirait Monsieur le Garage Noir, ça fait croire à ton écu que tout va bien alors que tu lui balances 3 barres de boost dans la gueule. Voilà. En gros, c'est ça transforme les infos pour que l'écu puisse te permettre de faire ta reprog. Mais sans que l'écu sache que tu fais ta reprog. Donc c'est pas mal. Donc en gros, ça se présente dans une boîte où il y a écrit des trucs. Voilà. Et dans cette boîte, la garantie, quelques trucs tels que des résistances et la prise, l'écu et le câble pour brancher à l'ordi. Moi, c'est assez spécial parce que, en fait, faut savoir que, bah, du coup, la voiture, elle est pas, de base, elle est pas dans les fichiers d'EQ Master au niveau du branchement. Bah, en même temps, qui a envie de reprendre une Micra, j'ai envie de te dire. Bah, moi, du coup. Heureusement, du coup, pour le coup, la Primera P11 avec le SR20 a le même calculateur que moi, si je dis pas de bêtises. Donc en gros, comme elle a un allumage comme j'ai là, comme ils disent les Anglais, un Dizzy, c'est exactement les mêmes branchements normalement. Donc j'espère que ça marchera, parce que sinon je vais
J'ai cramé ma voiture, le calculateur, la gestion. Donc autant te dire que j'ai pas envie de tout péter quoi. Là, on va s'occuper des branchements. Je vais te montrer tout de suite les branchements. Bon, en gros, voilà, ça se présente comme ça. Et voilà. On va essayer de refaire ça en se référant du coup au pin parce que aussi du coup fallait que je repère exactement tous les fils. Et du coup je te retrouve juste après. J'ai enfin fini de câbler tout ce qu'il fallait. Donc du coup, attends que je t'éclaire. Comme tu peux voir, j'ai tiré tous les câbles. Ah, maintenant le truc, ça va être de les pin à l'intérieur. Truc de l'écu master, enfin, en gros l'adaptateur quoi. Et après du coup, on pourra le brancher. Là, du coup, de ce que j'ai tiré, donc là j'ai le MAF sensor qui est branché, enfin qui est tiré. J'ai le throttle, en gros c'est l'accélérateur, c'est le capteur de position accélérateur. J'ai du coup le ground, ouais. Et j'ai l'allumage. Normalement j'ai le signal allumage, si j'ai pas fait de bêtises. Bon, voilà, tout est relié à l'écu, donc du coup c'est relié directement là-dedans. Au moins il est proprement à l'intérieur et ça se voit presque pas du coup. Donc c'est plutôt pratique, pareil au niveau des pieds, il y a juste ce câble et c'est tout quoi. Le reste, c'est un câble pour des enceintes, mais c'est pas les câbles venant de l'écu, donc ouais c'est plutôt propre, je suis pas mal content. Faut que je teste aussi du coup là avec l'ordi. Ok, donc la vidéo s'est coupée assez brutalement. T'as pas dû comprendre pourquoi. En fait, tout simplement que la voiture roulait trop pauvre, enfin tournait trop pauvre, même avec les injecteurs à 100%. Donc je me suis dit que c'était soit les injecteurs qui étaient trop petits pour la gestion, soit tout simplement qu'en fait les injecteurs étaient claqués en fait, parce que je tournais à 16 d'AFR pour certains trucs. Le seul moment où j'ai réussi à être relativement riche, c'était au ralenti. J'étais à 13, mais dès que je me mettais à accélérer, je redescendais à 14, 15, après ça montait à 16, à peine à 4000 tours, je crois, alors qu'elle monte à 7000 normalement la voiture. J'étais en dehors des valeurs de la lambda carrément. Donc j'ai commandé des injecteurs, je les ai reçus, et déjà c'est les bons. Que des injecteurs pour Micra, il n'y en a pas beaucoup. De base, je voulais prendre des Hitachi, mais j'en ai pas trouvé parce qu'ils sont plus produits apparemment. C'est censé être des 180 cc, donc largement suffisant pour la voiture. Après, est-ce que c'est les mêmes que j'ai là actuellement? J'en sais rien. Mais normalement, si c'est mes injecteurs qui sont pétés, déjà, ça m'aidera déjà beaucoup parce que là. Même avec la gestion d'origine, en soi, j'étais beaucoup trop pauvre, alors que pourtant, normalement, t'es censé être un minimum riche pour que la voiture soit fiable, donc voilà. Aussi, comme t'as vu, du coup, le cylindre 3 est un peu gras quand même, ça me fait un peu peur. Donc là, pour le montage des injecteurs, c'est assez simple. Faut juste virer la boîte à air et après, à chaque fois, pour chaque injecteur, il y a deux petites vis sur la plaque, la prise, et tu peux le jeter comme ça. Donc voilà, je crois que j'avais pas. Ouais, je l'ai pas resserré ça. Ça, pareil. Donc, tac. C'est pas dingue pour la boîte à air, mais bon. Honnêtement, j'en ai quelque chose à foutre un peu. Si je dois rouler sans boîte à air, je roulerai sans boîte à air. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, lui, voilà. Donc, je viens de virer le faisceau là. Assez simple. Maintenant, faut virer du coup les vis. Ce qui est un peu con, c'est que chez Nissan, ils se sont dit on va mettre des cruciformes. Ils ont pas pensé que 30 ans après, leur acier il allait être un peu flingué ou leur alu, je sais pas ce que c'est comme métaux. Putain. Si tout se passe bien, c'est les mêmes. Ça a l'air. C'est nickel. Ah oui, merci à eBay.
ib.fr, hein, je tiens à préciser, qui n'avait pas prévenu sur l'article que les injecteurs venaient du Royaume-Uni et que, bon, en fait, je me suis pris une TVA dans la gueule quand le livreur y est arrivé. 28 euros de TVA, bon bah, ça te fait un peu chier quoi. Surtout quand c'est pas prévu. C'est vrai que lui j'ai plus le clip derrière. Hop. Ils ont bien réussi à le faire sur toutes les autres. Pourquoi il a fallu qu'ils mettent une prise énorme. Du coup je te fais un récap. En gros j'ai eu deux problèmes. Sur les nouveaux injecteurs que j'ai reçus, ils sont beaucoup trop gros pour l'instant. Je les utiliserai sans doute pour le swap turbo. Mais là, à l'heure actuelle, je tournais tout le temps hors valeur, même au minimum, sur la carto. Donc, c'est pas possible de rouler avec pour l'instant, parce que vraiment, ils consomment. Enfin, ils injectent beaucoup trop, quoi. J'étais en dehors de la valeur de la lambda. Et carrément, du coup, pour le coup, à 3000 tours, j'avais des fuel cuts. La pompe, elle débitait pas assez du tout. Donc. Donc c'était pas du tout roulable. Donc du coup j'ai remis mes anciens injecteurs, mais avant de ça, bah du coup je les ai testés. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est qu'en fait c'est pas qu'ils étaient bouchés ou abîmés ou tout simplement ils étaient vieux. Tout simplement qu'en fait sur les 3 injecteurs, si je tournais pauvre, sur les 4 du coup, il y en avait un qui était mort. Il se déclenche plus en fait. Donc du coup j'en ai commandé un nouveau, j'attends de le recevoir, là je le reçois le 28. Et ouais, du coup c'est à cause de ça que la vidéo s'est coupée, c'est que bah du coup premièrement quand j'ai commencé à faire la carto, c'était trop pauvre, même au max. Donc normal en même temps ça tournait sur 3 cylindres et ça tourne toujours sur 3 cylindres du coup. Ça explique aussi du coup pourquoi le cylindre 3 est extrêmement gras. Bah, tout simplement parce que bah, sans doute que peut-être il y a une petite segmentation ou peut-être il y aurait un trou dans le piston. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'avais pas l'impression d'avoir tous mes chevaux, donc déjà que la voiture de base fait que 55 chevaux, bah, là je pense que j'en ai à peine 30. Donc ouais c'est compliqué à rouler, mais bon ça roule. Bon, je sais que je peux flinguer mon moteur, mais comme j'ai dit j'en ai rien à foutre, hein. S'il pète je le change. Et par contre là ouais du coup j'attends de recevoir le nouveau, comme ça je serai enfin sur 4 cylindres et du coup comme ça au moins je pourrai enfin te faire la carto. Donc là actuellement j'ai les 4 injecteurs d'origine sur la voiture et du coup j'ai fait tourner, ça tourne nickel. Donc ouais, donc là tout est bon pour faire la carto. J'ai du coup le boîtier qui est là, j'ai aussi fait un système avec des boutons de sélection pour permettre de soit tourner sur l'écu d'origine, soit tourner sur l'écu master. Donc ça c'est nickel. Les sondes, bah du coup il y a la lambda qui est là, il y a le contour. Faut juste que je raccorde le câble à un autre endroit parce que le signal qu'il prend c'est pas le bon. Du coup à partir de 4000 tours, bah du coup il dit de la merde. C'est-à-dire que quand je regardais sur l'écu, j'étais à 6000 tours, l'écu il disait que j'étais à 3004. Donc ouais, il y a clairement un problème à ce niveau là parce que la voiture rupte à 7000 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là malheureusement je peux pas te faire tourner la voiture parce que j'ai presque plus d'essence dedans. Genre quand j'ai essayé de la démarrer, elle broutait comme pas possible. Et la pompe est forcée, donc je pense que je suis plus que dans la réserve. Prochaine vidéo, on va faire la carto et aussi la peinture. Parce que là, elle est clairement pourrie, la peinture. Donc voilà. Je suis quand même assez content parce que pour le reste, tout va bien. Hein. J'ai pas eu de problème électrique par rapport à l'écu. Et la sélection marche nickel. Donc avec ce que j'ai fait, c'est vraiment soit origine, soit rien. Enfin, soit du coup la carto. Sur la carto je vais mettre un flat shift. J'ai appris du coup comment faire un flat shift. Je sais pas si je vais y arriver, mais donc ouais, il y a des trucs sympas qui arrivent. Et là du coup pour le coup voilà, tout est réglé au niveau moteur à part si je parle trop vite, mais du coup pour l'instant tout va bien. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.